Hello there, this is Boy George. Hi, this is Cindy Lauper. And you're watching Playback 80s. If you're lost in Kenya, then you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time. Time after time. Everybody's heading for Woolworth and Woolco to get set for Halloween. There's Star Wars costumes like Darth Vader and C-3PO. Superheroes like Spider-Man, Wonder Woman and Batman. There's the Shogun Warrior and many more, all at bare bones prices. Only $1.97 to $3.99. Aujourd'hui, c'est entre 50 et 150 $. Par contre, à 50$, de plus qu'un masque puis une nappe de plastique avec un dessin dessus. Ouais, c'est ça. Woolworth and Woolco! Comment Audrey? Danse! Salutations, les aluminiers. Ici Georges. Pat! Et Audrey! Et bienvenue à Playback 80, cette chaîne YouTube dédiée à la génération X. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, alors allez-y en cliquant l'onglet s'abonner juste en dessous. C'est pas grand-chose, c'est juste un petit clic. Puis en même temps, ben, vous encouragez notre chaîne. C'est du petit divertissement gratuit pour vous, mais ça veut dire beaucoup pour nous. Donc, c'est ça, aujourd'hui, on s'est déguisé. Comme vous pouvez voir, on s'est inspiré de notre dernier show qu'on est allé voir, dernier épisode que vous avez vu. Donc, George et Cindy. Pourquoi Cindy? Ben, parce que, tu sais, c'est un beau déguisement, ça fait longtemps, pour vrai, que je veux me déguiser en Cindy. Je l'ai jamais fait, j'ai tout pas perruque, moi je suis racheté du collier, et voilà. Puis moi, ben, ça fait pas longtemps que je veux me déguiser en Boy George, pas en tout. Je suis pas totalement assumé dans mon look. Vraiment pas. Regardez, j'ai rasé ma moustache, mais j'ai gardé ça ici. T'es pas prête à tout perdre, là. T'sais, je voulais pas me dénuder complètement. Puis, disons que je savais pas trop quoi me déguiser, fait que je me suis inspiré de notre dernier épisode. Non, mais il est beau, là, en Boy George. Ben, merci. Moi, je trouve que tu le fais, mais là. C'est grâce à toi, parce que ce maquillage-là, c'est tout elle qui l'a fait. C'est le mérite lui revient complètement. Vous savez, tu sais, Audrey, c'est son métier. C'est une artiste maquilleuse. Pas encore totalement assumée, mais elle a beaucoup de talent. Puis, qui sait, éventuellement, on va peut-être faire des petits tutos de make-up 80's style sur la chaîne. À surveiller, hein? Donc, aujourd'hui, c'est notre volume 2 Halloweenesque, parce qu'on en a fait un il y a exactement un an. Donc, si vous voulez aller voir ça, juste aller cliquer ici dans le coin. Dans cette émission-là, on vous avait suggéré des playlists, des chansons incontournables pour vos parties d'Halloween et aussi des incontournables au niveau des films d'horreur. Donc, allez voir ça si vous l'avez pas vu encore. Fait qu'on y va-tu avec le sujet? On y va? Ouais. Dans le fond, c'est quoi? Ben, aujourd'hui, on a décidé de faire comme un genre de top de déguisement d'Halloween 80s. Puis classiques. Des classiques! Donc, si vous êtes à la dernière minute, ben, pigez dans le lot qu'on va vous lancer, puis go pour votre party qui arrive là, très, 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 très bientôt. Demain. Genre. Donc, mais c'est ça, dans le fond, c'est vraiment les classiques, puis on aurait pu en ajouter beaucoup, mais on va s'en garder peut-être pour un éventuel épisode. On en avait déjà parlé un petit peu dans l'autre épisode, comme comment c'était l'Halloween dans notre temps, dans les années 80. Mais l'Halloween, tu sais, ça existe depuis toujours, puis... je voulais juste te montrer quelques vieux costumes qui datent d'avant notre époque. On peut dire peut-être au début des années 1900. Oh! Jusque je sais pas quelle année, là, mais c'est sûrement jusque dans les années 30. Fait que tu vas voir que c'est un petit peu troublant. Ça! Oh, fuck! Ça, non! Et là là! Oh mon Dieu! Mais focusser sur les deux extrémités!
Creep Factor x 1000. Il n'y a rien de beau, puis il n'y a rien qui passerait. Non. Aujourd'hui. Rien partout. Ça. Ah, non. Ça, genre, là, le petit dans le milieu, ça doit être un épouvantail. Mais il a l'air d'un. Ben, c'est peut-être l'homme éléphant aussi. Là. Aussi. Peut-être ça. Oh my god. Ça aussi, troublant. Un enfant de quoi, genre, 5 ans? 5? Non, mais ils ont. C'est juste deux yeux, les autres, une bouche. Oui, mais ils se trouvent cool, là. Ah, c'est creepy. Donc, on va y aller avec nos, notre liste de costumes qui sont comme les incontournables. On va commencer avec Beetlejuice. Ah oui, ben oui, Beetlejuice. Tu sais, ça, pour vrai, il y a beaucoup de travail là-dedans. Là. Ouais. Ça, c'est cool quand. Tu sais, quand c'est le père, la mère, là, qui font un thème et qui déguisent les enfants qui connaissent pas ce film. Ouais, c'est ça. Mais il était écœurant, là, ce costume-là. Ça, c'est fait à la main, là, parce qu'on peut acheter les costumes toutes faites avec les espèces de grosses têtes, là. Mais ça, c'est vraiment fait probablement avec du papier mâché. Et on a ici la sexy Beetlejuice. C'est Patrick, hein? Vous savez, là, si vous nous suivez depuis un moment, Patrick aime les jeunes femmes sexy. Ça paraît pas qu'est-ce que avec cette queue-là. Il dégage pas ça. Non. Live. Il y a un beau make-up. Hein? Oui, grâce à toi. Sexy. Donc, l'autre suggestion qu'on aurait, c'est bien évidemment Doc et Marty de Back to the Future. Ça, c'est quand même simple à réaliser, là, pour vrai. Là, mettons que vous avez un party de main. Là. Regarde les petits jumeaux. Oh, tu sais, c'est trop cute, là. Ouais. Ça, c'est un beau costume. Facile. Ben, facile, oui, puis non. Faut le trouver, le mot jacket rouge. Ça aussi, j'adore. Ah, oh, ça, c'est vraiment cool. C'est tout beau. Tu sais, le genre, c'est sûr, c'est le père. Là. Le père, il a même patenté l'auto. Ouais, c'est avec, genre en carton. En carton. C'est fait en quoi? Ouais. Avec les tipettes. C'est trop mignon. Ouais. J'ai pas juste mis des filles sexy. Là. Il y a aussi les costumes qu'on a portés il y a un an. Donc, Macho Man. Je vous présente ce Macho Man. Mais le pire, c'est que il ressemble. Lui, il ressemble vraiment. Ça n'a pas de sens, ouais. Là. Il ressemble vraiment beaucoup. De la tête aux pieds. Son costume, il est hot, là. T'es en train de dire, tu sous-entends que j'y ressemblais pas. Non, tu y ressemblais beaucoup. Avouez. Avec la barbe. Je sais pas si vous l'avez vu, là, mais si vous l'avez pas vu, ben, vous voir. On le voit, là. On le voit là. Pareil. Bon, merci. Donc, le prochain. Oh! Ça, c'est trop cute! Ça, c'est trop malade! C'est trop j'ai cool. Capoté quand j'ai vu ça. C'est Macho Man et Hulk Hogan. J'adore! Ouais. J'adore! Et toi, t'étais déguisé en Jen. Donc, on va regarder quelques déguisements autres que le tien. Ah! C'est cool, hein? Hey, eux autres, ils ont fait... Oui, c'est vraiment le trio. Hot, là. Hein? Mais ils étaient à 4, en fait. Hein? Je me suis pas, mais... Oui, ils étaient à 4. En tout cas, ceux-là sont vraiment... Les hologrammes, ils étaient cool. À 4. Tu vois, je sais plus que toi. Ouais. Ah! C'est le fameux costume de Ben Cooper. Ouais, ça fait peur. Qui fait peur. En plus, tu remarques que les yeux sont même pas alignés. Non. Les trous sont même pas alignés dans le make-up. Ils sont même pas égales. C'est ça. Ah, ça, c'est le misfit. Ouais. Ça, là, c'est parfait. J'aimerais ça. Ça, c'est ton, ouais, ton c'est éventuel ça. Déguisement. J'aurais, ouais. À surveiller. J'adore ça. Bon. Elle, là, est parfaite. Ben oui, pis tout. C'est vraiment une gemme parfaite. Là. Ben. C'est comme l'incarnation réelle, vivante de gemme, je pense. Non? En tout cas, si ça peut te rassurer, la prochaine est un petit peu plus naturelle. Ouais. Moi, je trouve elle plus belle. Bon. Elle, c'est un vrai déguisement, pis elle assume sa perruque, pis elle est belle, là! Colin! La prochaine, c'est... tu vas sûrement triper sur ce costume-là, parce que c'est Jessica Rabbit. Ça, c'est une vraie belle Jessica Rabbit. Oh ouais, elle est pareille comme dans le film. Ouais. Elle est pareille, là. C'est mais vraiment... C'est une belle pitoune. Ben oui. Mais watch out la prochaine. Patrick, c'est gâté. Non, même pas. Ah non, mais c'est hot! Ses yeux, ouais. Son maquillage, là, il est... Il est écœurant. Elle a vraiment l'air d'un personnage. Tu sais qui, elle? Non. C'est Heidi Klum. Ah! Mais elle, Heidi Klum, ouais. Là, je sais pas si vous savez, là, mais à chaque année, il y a un gros party d'Halloween qui s'organise. Puis elle est toujours déguisée, mais ça coche. Mm-hmm. Ça coche, là. C'est ça. Ses costumes sont toujours écœurants. Elle est même pas reconnaissable. C'est fou, hein? Ben, c'est ça, il y a plein. C'est tout. C'est des prothèses partout, ah, oui. Là. Et justement, je vais te montrer un autre costume de Heidi Klum dans un autre. Party d'Halloween qui faisait très, très années 80, celui-ci. Ah oui! Te rappelles-tu? Non!
Je savais même pas. C'est elle, ça. Aïe, tu sais. C'est fou, là. Il est parfait, son costume. Ouais. Mais tu sais, ça l'aide quand on a de l'argent et qu'on est bien entouré. Mais tu sais, jusqu'à son team de zombies en arrière, là. Il y a bien évidemment Jason Voorhees de Vendredi 13. Ah, ça, c'est un jeune Jason. Ouais. Il est très cool. Il est parfait, son costume. Ouais. Le papa, papa Jason. Ben oui. Il y a la fille Jason, la sexy Jason. La sexy Jason. Il y a toujours une version sexy de chaque costume, hein? Ben toujours, oui. Toujours. Ben oui. Mais est-ce que tu te rappelles du Jason qu'on avait vu ici? Le gars, il avait le masque, là, il était super bien, mais quand il levait son masque, il était aussi déguisé ouais. en dessous, là, il ouais. faisait peur. Donc ça, c'est notre liste. Mais je voulais juste faire une petite liste de mentions honorables qui vont se rajouter à cette liste-là. Le premier dans ma liste de mentions honorables, j'ai décidé de mettre Bob Ross. Oui, mais on dirait qu'il est comme revenu à mode depuis deux, trois ans. Je sais pas trop pourquoi. Moi, je sais pourquoi. En tout cas, vas-y. Moi, je pense pas que les gens ils sont soudainement mis à triper dessus à cause de son art, là. C'est comme si c'était un kitten cool, là. Tu sais, il y a des t-shirts, il y a plein d'affaires de lui. Je trouve ça drôle. Shake it off. Just beat the devil out of it. Dans le temps, moi, je l'écoutais religieusement quand j'étais ado, puis tout ça. Puis moi, j'ai appris beaucoup de lui, là, parce que, tu sais, moi, je dessine, puis je peins, tout ça, mais je le regardais, puis le monde dit maintenant que quand il le regarde, c'est vraiment comme. C'est méditatif. Ouais, je comprends. C'est relaxant. Ouais. C'est vraiment ça, puis moi, je le regarde encore. Il est sur Netflix, mm-hmm. il est sur YouTube, il est partout, Chris. Je pense qu'il est sur Prime aussi. En tout cas, bref, on peut le regarder, puis moi, je relaxe dessus encore, là, puis des fois, je m'endors. Puis... Bref, on regarde ça. Fait qu'on a un petit garçon ici qui est en Bob Ross. Comment tu le trouves? Ben, il est cute, là. Il est cute? Ben oui. Oh! Mais ça, c'est encore plus cute. Oui. Le petit chien. Ah oh, oui, j'adore. Ouais, il ressemble en plus. Oui, oui. On a la sexy Bob Ross! Même avec Bob Ross, il s'est trouvé une fille sexy. Sérieux? Garde son épaule. Ah oh ouais, son petit écureuil pis tout, t'sais. Il avait tout le temps son petit écureuil avec lui. Ah vrai? Ouais, il le mettait dans sa petite poche. Oh, pendant qu'il peignait. Encore plus attaché. Ben oui! C'était très attachant, Bob. Continuons dans nos mentions honorables avec des costumes de E.T. Hein? E.T., c'est un autre gros classique. Oh, celle-là, il est génial. Ça, c'est cool. C'est la famille cool. Au complet. Ouais. Hey, tu sais, avec le basic et le petit gars dedans. Puis Gertie à côté. Ouais, Drew Barrymore. C'est génial. Ça, c'est ouais. Très drôle. Et, ouais. Ça, c'est quelqu'un qui a dit « Moi, je suis bonne, on va sauver de l'argent. Ouais. » T'as le tricoté. Ouais. Pas sûr. Pas sûr, hein? C'est très, très laid. C'est laid. C'est atroce. Ah ouais. Check le prochain, tu vas triper. Oh, regarde-la comme c'est fou. Pink! Ben oui. Mais Pink aussi est reconnue pour... Elle aime ça l'Halloween, là. Puis à chaque Halloween, elle a des déguisements de fou. Puis wow! Ouais. Il est écœurant! Gremlin, hein? Qui dit années 80, hein? Ouais, j'ai hâte de voir ça. Celle-là. Ah! Ah ça! Ça, c'est malade. Ça, sa face est hot, là. Ouais. Ça, c'est hot. Ouais, j'adore. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Mais ça le fait! Oui! Ouais. Mais c'est ça, c'est mais malade, c'est la créativité! Il ressemble à Harry et Anderson. Tu sais, le. Ouais. En tout cas. Il a pas l'air d'un. Ouais. Il a pas l'air d'un Mogwai, il a l'air d'un Bigfoot. Ouais, c'est ça. Ça, c'est mon préféré! Un beau petit gros gremlin, ouais. Le petit bébé! Le meilleur de toutes ces mentions honorables, moi je trouvais que ça sort. Si tu veux être original dans ton costume, tu te déguises en Hall & Oates. Oh, Seigneur! Non! C'est parfait! Oui! J'adore! Lui? Oh! Ça aussi, ça, c'est original! Ouais! Fois mille! La petite, elle sait pas c'est qui, mais elle est contente, elle est déguisée! Ça, c'est pas c'est qui, c'est ça, sûr! Pas c'est qui, là. Mais papa ou maman, ouais, ils sont bien heureux, ils trouvent ça bien drôle! Ah, ça aussi, c'est ouais. Hot! C'est très cool! Ouais! Mais tu sais, y a-tu du monde qui vont savoir c'est qui? Peut-être on pas! On peut tellement se déguiser comme on. Hein? Ouais. Facile! Je veux dire, qui c'est qui aurait pensé à « Hey, je vais me déguiser en eux » parce que eux, en tant que tel, c'est pas un costume. Non. Tu sais, c'est mais ça qui est fucké. C'est très drôle puis c'est « inside » au bout. Ah oh, ouais, j'adore. Ça, c'est ça, malade. Ouais. C'est un peu comme la petite fille, ouais. Mais version adulte. Donc, c'était notre petit spécial Halloween. On pouvait pas passer sous silence cette fête-là, mm-hmm. Hein, parce qu'on soit petit ou grand, on adore se déguiser. Puis, on s'est entendu que les années 80, côté déguisement, c'est la perfection, on a du choix, mais tu sais, pas à peu près. Puis c'est le fun. Puis c'est le fun. Tu vois que les gens qui se déguisent en thème années 80, c'est juste drôle, c'est le fun. Puis comme on voit, tu sais, souvent,
papa, maman, petit enfant, grand-maman qui initie, c'est le fun, tu sais, c'est comme... C'est le fun! Alors, on espère que ça vous a un petit peu diverti. Comme j'ai dit, c'est une émission tout simple, mais on pouvait pas passer à côté de se costumer un petit peu, hein? Fait que c'est ça. Oubliez surtout pas de laisser vos commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé des costumes qu'on vous a proposés. Comme j'ai dit tantôt, il y a bien des costumes qu'on n'a pas mentionnés. On sait exactement de quoi on parle, et vous aussi. Donc, si ça vous tente, mentionnez-les dans la section commentaires. Dites-nous c'est quoi les costumes qu'on a peut-être oubliés. On va peut-être en parler la saison prochaine. Et si vous avez des costumes qui ont rapport aux années 80 durant ce week-end halloweenesque, alors mentionnez-les dans la section commentaires. Donc, on se laisse là-dessus, gang. Et si vous avez apprécié notre épisode, vous savez ce que vous avez à faire. Donnez-nous un petit coup de pouce en cliquant le like. Et si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous maintenant et activez la petite cloche de notification. Comme ça, vous êtes toujours notifié à chaque fois qu'on a un nouvel épisode. On vous revient la semaine prochaine parce qu'on a un autre épisode à vous présenter. Manquez pas ça, gang. Donc, on se voit bientôt. Joyeux Halloween, gang. Rock on! Every day like survival. You're my lover, not my rival. Ma voix était bizarre. Non, mais j'aime ça. Parce que tu te donnes.